Et re tout le monde. Alors, on est parti sur un match purely matmec. Donc, ils sont tous les deux à 5-0. Hein. Donc, tous les deux à 5-0. Marco va arriver incessamment sous peu. Donc, on est parti avec My Friend Purely. C'est bien oui ronde hein, aujourd'hui. C'est bien oui ronde. Voilà, donc on a Colin Noir qui est présent. Le son est plus faible. Logiquement, rien n'a changé, mais n'hésitez pas à me dire. Je peux relever un peu le micro. Si vous entendez le. Le ventilateur, ne vous inquiétez pas, sinon sans ça, on meurt, tout simplement. Là, il se garde, hein, le purely. Ah, sur ton téléphone portatif. Mais écoute, n'hésite pas à augmenter le son, peut-être. Et le matmec en 5-0, hein, matmec 5-0. Pour les fanas du matmec. Et donc, Purely qui est out. Et le matmec maintenant qui va pouvoir faire ces petits combos. Donc on disait, c'est vrai qu'on allait voir pas mal de purly, et effectivement, c'est bien le cas. Marco a été faire un petit tri pour voir combien de decks différents on aura. On aura l'information quand il revient. Mais en attendant, le petit Nibiru, un petit et le grand Nibiru, hein. Mais ça n'arrête pas, Max. Continue. Et là, le TK, mon fog. On va voir ça tout de suite. Eh bien, ça se coupe, hein? Ça se coupe du côté purely. Je dis des bêtises. Ah, pardon, oui, peut-être. Non, non, ça se coupe bien. Ça se coupe bien, sorry. Ok, ça a été très, 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 très rapide. On perd pas de temps, hein, mais ok.
Bon, il anime un peu trop tôt. Clairement, le NIV a été fait beaucoup trop tôt. Je pense qu'il aurait dû attendre, vu que bon, MacMec était parti, n'avait pas l'air de respecter le NIV. On aurait peut-être pu attendre un petit peu. Mais oui, c'était compliqué de savoir ce qu'il y avait derrière. Donc, mais du coup, c'est 1-0 pour Max. Et ça discute, ça discute, ça discute. On prend Max et le... Je pense qu'ils ont bien bien le temps là. MacMec va créer l'exploit. Aujourd'hui. Allez, vous de la côte 2. Il y en a demi, je pense, qui va commencer, qui va prendre la main. Oui, c'était relativement vite, mortel. On a le MacMec qui a très bien géré. La petite hache. Et le TTT qui peut faire mal. Hein. Là, la hache TTT, on va commencer à 3 cartes en moins. Il va peut-être prendre 6, il va peut-être dégager 6 notes. Hein. Ah non, c'est pas droit, d'accord. Donc là, effectivement, on va avoir un noir qui va être dur à passer. Hein. Alors, franchement, le purée noir va être compliqué. Il continue à charger le purlis. Je pense qu'on va peut-être aller assez rapidement à une troisième ronde. Hein. Moi, sur base de ce qu'on a vu dans la adresse. A six matériels. C'est mieux tiens que dans la carte. Qu'est-ce qu'on fait de la part de Max? Qu'est-ce qu'on fait pour passer ce purlis? Alors oui, on l'avait vu.
Je pense que Denis est très préparé à ça. Relire au lien. Et le chêne, voilà. Ça va être relativement compliqué pour Max. Il a Pasteur, je crois, hein. Donc là, je pense qu'il peut passer en Modothéka assez rapidement. Je ne vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Max ne concède pas. Ça va faire mal. On frappe avec les trois. Ça nous fait bien, tout ça. Alors, que fait Gap? Une autre question, ce que là. Le retour du micro qui grésille, magnifique. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est mieux ou vous m'entendez en mode robot? Ah, super, merci. Alors, on voit. On voit là, on voit que les PC sont vraiment au bout du bout. Oui, Gabriel, mais j'ai pas des infos. Peut-être que du côté de la régie, on l'a. Je pense que les pairings sont aussi disponibles, hein, donc peut-être moyen de regarder via les pairings. Oui, un cré mortel, sinon ce serait très très compliqué d'apporter des tours. Hein. Oui, on a des portables. Un portable à la régie avec deux écrans et un portable ici. Pour commenter avec nous. Donc, on vous rappelle pas mal de choses. Je vous rappelle pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, si vous semez ou si vous follez, si vous follow, il y a moyen de gagner des choses. Notamment, on a le nouveau set rue des Batailles-Villes en speedway. Et on a également l'étine, hein, MP23, l'étine MP23 qu'on peut vous faire gagner. Donc pour ça, il suffit de sub aujourd'hui. Et alors, on a également un concours YouTube. Donc, quand on atteindra les 1000 follow sur YouTube, on vous fera gagner une boîte LOB des 25 ans EN, donc en anglais.
Donc un beau petit cadeau aussi. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube et de follow. Rien de plus. Ah si Thibaut, mais là j'aurais un petit peu du mal d'aller voir les gagnants. Ce sera un petit peu compliqué, sauf si vous savez peut-être le faire de votre côté, mais là, on a du mal à regarder. Donc il y aura le playmat d'abord, puis le bataille vite, et enfin la même 3. Alors, on est reparti. Qu'est-ce qu'on voit dans la main de Max? Circulaire. Ça semblerait une main un petit peu de porc, hein, si on peut le dire comme ça. Un invité. Ça me reste pas. Allez, que j'ai été seul. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas m'accompagner. C'est faux, ça. Hein? Le ventilateur. Avec le ventilateur. J'ai Dim qui vient me rejoindre. Par contre, on voit rien. Non. On ne voit pas grand-chose. Voilà. C'est pas abusé. Ouais, on va faire ça. On peut se remettre là, on va après. Il n'y a pas un bon tour. Oui. Je ne sais pas. Pas s'il est allumé. Ça doit se commencer. Il va entendre du lien à Dim. Parfait. Marco a disparu. Bah, il a été trié des. Ah! Donc. Bon, après, il ne les prend pas toutes. Excuse-moi. Il aurait pu chercher une dimension arrière. Oh, le milieu de niveau. Là, t'es chaud, bon moment. Alors, pour info, c'est deux joueurs allemands. Ah bon? Oui. Mmh. En tout cas, c'est Denis, ça n'est pas très allemand. Max était allemand. Et sponsor, non, bah, il est toujours sponsor par le magasin Alibaba. D'accord. Et l'autre, il répond en allemand. Ah oui, oui, donc avis, soit il vient de peine, soit. Oui, oui, peut-être qu'il vient de game, mais c'est un. Ah. Aussi. Ah, le t-shirt au Libaba, ouais, effectivement. On a donc le petit nid qui est tombé, mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Ah, là, mais je pense qu'il va. Il va continuer, hein. Ouais. En général, quand on fait nib, c'est que ça interrupte. Bah, ça fait deux fois qu'il le fait, deux fois que ça interrupterait du tout. Ah. Donc, je crois que soit peut-être c'est parfait au bon moment, parce que là, il n'a pas l'air plus embêté que ça. 7-4. 17-4. Hein. Il joue RSUS. On n'a même pas vu de Chimera. Non. Je suis un peu déçu. On n'a pas vu d'Infernum non plus. Infernum non plus, non. Déçu. Après, le fil est très varié. On va essayer d'ici demain, mardi au plus tard, de vous fournir les decklists du top 8, bien évidemment. Et la répartition aussi. Ce sera intéressant. Ça. Ah, le 7-4, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un parfum anti-magie. Le bon vieux parfum. Eh oui, c'est ça, bêtise. Si ça compte purely, c'est compliqué. Enfin, c'est des quick play que les chaînes. Mais. C'est quand même. Après, ouais. C'est compliqué. C'est un parfum de 5 tard. Et ça a activé la petite factorielle. Ouais. Et là. Je crains pour Denis. Ouais. Je pense que purely n'a pas les matchs. Purely, exactement. Et hop, c'est donc quoi? C'est Alambertian, c'est ça? Il ramène. Oh, c'est bien. C'est des Yadrus, des Rigurus, des Rissurus, non? Non? Ou c'est le Rissurum? Là. C'est le Rissurum? Ah oui, le Rissurum, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Célèbre dragon. Célèbre dragon. Souvent accompagné de son ami Magna. Magnamut. Magnamut. Alors, premièrement, j'avais été expéditif. La deuxième. Deuxième. Un peu aussi. Moins, mais assez. Comme c'était quand même dans. Des et là, c'est. Côté. Ça se répond du berger à la bergère. Exactement. Ah, bon, des battles face, ça faisait longtemps. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autre chose que passer de 8000 à 0. C'est assez simple pour nous hein, de gérer les PV. Ouais. Très, très peu de variations. Hein. Ça prend du PV. Oui, mais on a développé une interface pour pouvoir régler les PV. Et oui. Finalement, pour ça, ça sert à pour les 10 zones. Ça sert très, très peu. Alors, il est parti sur. C'est Azalea. Oh, bien. Elle est déjà plus là de toute façon. Ouais, elle a duré deux et plus là. C'est aussi vite qu'elle est arrivée. Sans demander son reste. Et son dû. Donc on disait, vu que c'était des joueurs allemands, on les emmènera sans doute pas en interview. Oui, effectivement, parce que cette langue. Mon allemand est très limité. Ah, il y a. Il y a Fall. Pour le Bofferding, etc. J'avais des bonnes choses. Ah, c'est pas dire grand-chose, malheureusement. Même si ça reste une des langues nationales en Belgique. Exactement. Un petit peu. Sans doute pas beaucoup. Pour le coup, on fera gagner à partir du rond de la ronde 7. Bah, tu nous disais fin de la ronde ? Non. Bah, je n'ai pas. Tu n'as rien pour noter. Il bah, faut aller chercher tous les gens. Quoi. Ah. Manuellement. Manuellement. Donc ce sera plutôt le rond de route 7. Ouais. Ouais. Si je ne commente pas. C'est quand même pas très courant l'allemand, non, à part en Belgique et en Allemagne. Bah, il y a un peu au Luxembourg, même si c'est du luxembourgeois, mais bon. Ça c'est très, très proche de l'allemand, ça reste un patois allemand. Et en Autriche Strasbourg. Un peu à Strasbourg. Un petit peu ce côté-là, côté raclette. C'est là. Des schnitzel. C'est quelques schnitzel. Pendant ce temps-là. Enfin, se fait gérer. Et donc, finalement, le matmec a l'air de se faire un peu retourner, vilipender, faire fesser cul nu. Très, très bonne. Et ça, ce genre de carte, c'est. Soit tu es un bon joueur et tu, à chaque fois que tu révèles du curly, soit tu es un mauvais joueur et tu n'en révèles ah, pas. Ah, c'est ça, hein. C'est pas du tout la chance. Hein. C'est... Non, c'est le skill. C'est le skill. Hein. Faut savoir amener ses cartes à soi. Exactement. L'âme des cartes. Et l'âme des cartes, ça existe. Tu n'es pas que des choses. Désolé pour le bruit. Il y a un ventilateur qui fait des siennes. On sait déjà comment on en verra les lots. Bien sûr que non. Bon, nous en verrons. J'avais voulu croiser. Par courriel. Vous envoie une photo. Non, mais ça dépend. Si c'est en Belgique, il y a moyen de s'arranger. Ouais. Même en France, loin. C'est déjà dans le nord. Oui, c'est ça. Plus loin, ben, on vous les enverra. Donc. On a 8005, 6006. C'est... Oui, donc pas d'exit parce qu'il y a eu l'arrière. Ouais. Et on est autour du matmec, mais qui a vidé un petit peu tout ça. Ouais, ouais. Qui fait un petit cinet et qui se prend la petite hache. Mais oh, ça ne l'arrête pas. Et... Ça ne l'arrête pas. Norme, c'est le temps de venir shifter. Ouais. C'est ça, hein. Franchement. Shifter, ça s'est équilibré. Franchement. Il y a une paire, ah, il va encore continuer. Ah, mais il a fait une paire dessus, donc il a ah, pu ramener. Il va encore continuer, c'est prêt. Ah, il est ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais rien. Et est-ce qu'il a une troisième interrupte? Ah, allez, hop, on est parti. Ouais. Alors, parti pour un tour. Franchement. Et hop, le petit smash. Le shifter, hein. Ouais. Smash, il borne un cyber, ça, c'est ça. Oui. Tu as tout fait, c'est magnifique. J'ai fait os de notre gros. Ouais.
Ah, il y a un peu de franchise là. Ah, on est en train de recevoir les détails. Ah. Oui, ça c'est normal. Merci. On va pouvoir voir dire tout ça. Ouais. On va enrichir ça sans sa présence 115 épouses, donc il y aura un projet. Ok, donc, bah, peut-être je vous dis. On vous donne les infos. Les infos à la grosse louche comme ça, mais en gros, il y a une vingtaine de cash tirats sur le film. 18 Unchained. 18 Unchained, vraiment. 18 Unchained, ouais. C'est franchement. Ensuite, il y a 15 Furly. Et puis, il y a 8 Labyrinthe et 8 Branded Despia. 11 Sprite. Et encore 11 Sprite. Pardon, je n'avais pas vu cela. Et 8 Manadium. Duel. Et je suis très étonné qu'il n'y ait que 3 chimères. Et dans les brandes.